Eh bien bonjour à tous, c'est Starwit. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière étape de la Vuelta Cycliste à Catalogne. Eh bien écoutez, ça vient de partir et donc voilà ce peloton vu d'hélicoptère. On va de suite se replacer vers Nairo Quintana aujourd'hui qui va défendre une nouvelle fois sa deuxième place. Pour cette dernière étape, Nairo Quintana lui va tenter de conserver sa place. Après, c'est vrai que Contador, je ne pourrais peut-être pas l'attaquer parce que Contador est vraiment très 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 fort sur cette Vuelta. Et c'est la grosse révélation, Contador est à 100% de son niveau, Alberto Contador. Thibaut Pinot, lui, il est loin, très loin, le pauvre Thibaut. Denis lui aussi est très loin, Thibaut Pinot 40e. Les coureurs ont augmenté leur allure. 40e seulement, il est très très loin. Alors qu'on est parti très vite vers le premier sprint intermédiaire qui vient de passer. Mais un Suisse vient de passer en tête. Et s'attaque sur le côté droit. Une carte qui vient d'accélération. Qui vient de sortir aussi. Ils sont tous très loin au général. Alors pourquoi pas avec un Thibaut Pinot aller chercher la victoire qui pourrait lui donner un petit peu du moral. Le maillot à poids qui a voulu sortir le maillot à poids. Le gaming, c'est l'accélération de Thibaut Pinot, le français. Démarrage d'Andy Schleck. Qui va partir Andy Schleck. Il est parti derrière Andy Schleck. Et ça roule avec Cummings, Andy Schleck qui est la Mopaze et Thibaut Pinot dans ce groupe. On a aussi le maillot à poids, Thoras De Gendt qui vient de revenir encore une fois. Il y a de très bons coureurs dans cette échappée. Thibaut Pinot le sait. Il va pas se battre pour le maillot à poids, lui, il va se battre pour peut-être une belle victoire d'étape. Dernier pointage, l'échappée on arrive à plus d'une minute. Sur un sommet de troisième catégorie et on est parti avec Caruso qui emmène l'échappée du jour. Caruso qui a lui aussi de très bonnes stats. Devant, il n'y a personne pour le maillot à poids qui est très bien passé. C'est peut-être même Caruso qui va prendre les points. Ouais, c'est Caruso qui prend les points sans problème. Dans le groupe de poursuivants, seulement à 25 secondes, on a de très très bons coureurs. Il va avoir une grande échappée. Et Thibaut Pinot, je pense que je vais pas le faire mouler. Thibaut Pinot, je vais juste tenter quelque chose. Et surtout, tenter la victoire d'étape et laisser les hommes pour le maillot à poids se battre pour qu'ils essayent de gaspiller leur énergie. Voilà, les poursuivants sont rentrés. Ils sont maintenant dans le groupe. Ils sont maintenant dans l'échappée du jour. L'échappée à 12 coureurs. Le maillot à poids qui est là. Le maillot à poids, Thomas De Gendt, Thibaut Pinot, Isaï Guerre. L'écart augmente, plus de 2 minutes. Lui aussi, l'Italien est bien là. Caruso, Ingart, Cummings, Mopez et Andy Schleck qui ferme la marche. Andy Schleck, c'est peut-être lui le mieux placé. C'est Andy Schleck à 9 minutes 48. Et Thibaut Pinot, lui, est 40e du général. Pourquoi pas pour peut-être une. Peut-être pourquoi pas prendre quelques. Non, j'allais dire quand même pour rentrer dans les 10 premiers, mais ça va être dur, il va falloir du temps. On va regarder un petit peu le classement. Et Nairo Quintana. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Vendent. Et attention, parce que ça attaque pour le sprint d'intermédiaire. Et c'est Thomas De Gendt, le 11e des Grands Prix de la Montagne, qui vient d'attaquer. Isaï Guerre qui vient de contrer avec Caruso. Isaï Guerre qui va passer. Thomas De Gendt qui va passer lui aussi. Voilà, c'est que les 4 premiers qui gagnent des points. Donc voilà, et Thibaut Pinot, oui, reste dans l'échappée du jour, sans problème pour Thibaut Pinot. Alors, je disais, est-ce qu'il va pouvoir peut-être rentrer si l'échappée va au bout avec, le peloton ne semble pas vraiment concerné par l'échappée. Hein, on va dire le tempo s'est même ralenti. Alors, le 10e du général, c'est Thomas Vauclair. Ouais, ça va être très très dur. Hein. Et Thibaut Pinot, il est vers là. Par contre, pour rentrer dans les 20 premiers, c'est largement possible. Il faut juste 3 minutes d'avance. Après voilà, on connaît les talents de Thibaut Pinot, on sait qu'il peut largement accélérer dans les derniers kilomètres, Thibaut Pinot. On va faire un petit zoom sur le peloton qui est emmené tranquillement par la Saxo Tinkoff sans problème. Oh là là, chute d'Arthur Vichot. Et chute d'Arthur Vichot, le champion de France qui est tombé. Est-ce que la FDJ va pouvoir l'attendre? La FDJ non, ne se place pas à l'arrière pour l'attendre, Arthur Vichot. Le français, bah, il est loin quand même lui aussi au classement général. Hein. Il est loin, il est bon dans les vallons, mais pas dans la montagne. Nairo Quintana, lui, le sait. Il va falloir qu'il fasse attention à Ailou.
L'échappée a vraiment creusé l'écart. Plus de 5 minutes et le peloton ne semble pas réagir. Il le sait qu'il est peut-être en danger, mais je pense qu'il a quand même... Il a quand même de... Il est quand même confiant. Il est quand même confiant et je pense qu'il a raison d'être confiant, Alberto. Alberto Contador, sûrement confiant. Et l'écart qui augmente un petit peu, qui stabilise maintenant. On va envoyer le premier ravitaillement. Thibaut Pinot, lui, il suit dans les roues. Il conserve son énergie pour attaquer si jamais le peloton reviendrait trop fort. Il sait, Thibaut Pinot, qu'il a les moyens d'aller pourquoi pas chercher l'étape et surtout de faire une belle remontée, parce que c'est vrai que 40e pour Thibaut Pinot au classement général, ça n'intéresse pas du tout quand on sait qu'il a fini dans les 10 premiers à ce Tour de France il y a 2 ans. Allez, il y en a un qui me fait peur, c'est quand même Andy Schleck qu'on voit pas vraiment en forme, mais Andy Schleck à chaque fois maintenant avec son frère, ils sortent pour les échapper, donc c'est dommage. Il devrait faire plutôt des stages. Et encore une fois Caruso qui va aller chercher quelques points. Thomas De Gendt et Isaïe Guéret qui est Caruso encore en tête. Le peloton est là, qui commence à bien rouler. Et une nouvelle attaque de Lingard. D'accord, on va faire, c'est que des trucs comme ça maintenant. C'est que des trucs comme ça pendant 50 bornes. Et ouais, ça peut jouer en la faveur des échappés. Ça peut jouer dans la faveur des échappés. Et on va peut-être même rattraper, je dis ça comme ça. Et voilà, une attaque ouais. Dans le groupe d'échappés. Ouais, ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop. Sinon, il va y avoir des cassures. Ils sont en bas, on les voit. Ils sont en bas, alors que eux, lui vient à peine de passer. C'est le dernier tir de la course. Et il y a environ 40 km, Caruso encore qui repart à l'attaque. Et Tchoska, le maillot à poids qui vient défendre son maillot, pas très en forme. Et Andy Schleck qui emmène ce groupe. Andy Schleck... qui emmène ce groupe, et Thibaut Pinot, lui, il est content de les voir tous attaquer comme ça. Il le sait, Thibaut Pinot, c'est en sa faveur. Par contre, là, attention, si tu t'arrêtes, ça va pas le faire, Thibaut. Thibaut Pinot qui est obligé maintenant de rouler pour rattraper ce beau monde dans cette descente et refaire un bon numéro. Et pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, son objectif, c'est la victoire d'étape, bien sûr, la victoire d'étape qui est possible pour Thibaut Pinot. Il le sait, surtout que comme on voit qu'ils sont en train de se gaspiller leur énergie pour attaquer dans ces cols. Attaque de Lirtar. Et encore une fois le belge. De l'équipe belge, plutôt de l'Auto Bensol. Caruso qui emmène ce groupe 35 km. Ah, ils sont surtout en train de vider leur énergie et l'écart qui est stabilisé. Attaque de Pim Lirtar. Et il a envie d'y aller mieux. Thibaut Pinot, lui, il sait, il n'y a pas de problème pour lui. Il a juste à suivre les bonnes roues. Il le sait. Je pense qu'il pourra arriver facilement dans les 5 premiers s'il échappait au bout. Ah, il y a beaucoup de gens qui essayent d'attaquer. Et attention, le maillot à poids qui vient d'être en difficulté. Le maillot à poids lâché. Oh, oh là 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 là. Le maillot à poids n'était pas bien. Il vient d'être lâché en haut. Il est lâché de l'échapper. Pour l'instant, l'équipe Movistar. Attention, une attaque dans le groupe de tête. C'est bizarre que l'équipe Movistar roule. Sachant que il y a quand même. Il y a quand même Isaïe Guéret qui est là. Et attention, parce que ça peut peut-être faire des écarts dans cette descente avec le peloton aussi. Ne l'a pas oublié, Pérez est là. Un peloton très étiré, très 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 étiré. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Encore Caruso qui vient accélérer. Andy Schleck qui fait un très gros travail, Andy. Et Thibaut Pinot qui suit les roues. Il le sait, Thibaut Pinot est en train de suivre pour le moment les bonnes roues emmenées ce groupe par Andy Schleck qui s'est arrêté de rouler. Andy Schleck s'est complètement arrêté de rouler. Et c'est encore une fois Thibaut Pinot qui est obligé de fermer cette marche. Et Andy Schleck peut-être un petit coup de moins bien. Thomas De Gendt récupéré par Thibaut Pinot qui se met à rouler. Attention à ne pas laisser trop de force Thibaut. Thibaut Pinot qui est obligé de rouler. Ouais, on le voit, Thibaut Pinot qui est en train de faire l'effort pour venir sur Isaïe Guéret. Sans problème, il est là. Il est encore là, Thibaut Pinot, avec un groupe de 11 coureurs. Allez, faire vite les bidons dans... Alors, 25 km. Environ, ouais, ça peut aller au bout. Attention, on se regarde, plus personne ne va rouler. Attention, si plus personne roule, c'est Thibaut Pinot qui est obligé d'emmener ce groupe. Thibaut Pinot
Lui qui a envie de jouer cette victoire d'étape, il a bien envie de la jouer cette victoire d'étape. Et nouvelle accélération de Caruso et Thibaut Pinot qui emmène le groupe. Et voilà, une attaque Thibaut dans Pinot le groupe. Ce groupe, il est obligé, c'est lui qui va aller chercher cette victoire d'étape. Ça y est, accélération de Thibaut Pinot. Caruso, lui qui est juste devant, toujours Lingard est plus et moins facile que tout à l'heure. Lingard et Thibaut Pinot qui ramène peut-être Caruso. Et voilà Thibaut Pinot dans cette descente, toujours 10 coureurs. Alors qu'on revient, on revient sur, je l'avais vu, Haro je crois. Ça va être Haro, ouais c'est Haro. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. Près de Alberto. Nous sommes à 15 km de l'arrivée. Il est tout seul. Et il y a encore Thibaut Pinot qui est en train de rouler et qui revient sur Halo. Le dernier de l'étape pour le moment. Oh là là, l'Irlandais Nicolas Roche est pris dans une chute. Oh là là, attention, le 20ème du général qui vient de tomber. Il va pouvoir repartir un peloton, il a un petit peu de chance. Uvals aussi qui est tombé et Thibaut Pinot toujours le seul à emmener ce groupe. Thibaut, il a une trentaine de secondes de retard maintenant. Ouh, attention. Encore 10 km à parcourir. Et ouais, c'est Alberto qui vient boucher le trou. Alberto Contador, et vous avez vu, il y a eu un petit écart meilleur. Non, Mexez, le maillot vert, il est là. Par contre, il perd beaucoup de temps là, Thibaut. Et démarrage roulé. À l'instant de Chris Horner. Et Chris Horner, le cinquième du général, qui va porter une attaque contrée par Egerton. Il va falloir commencer à bien se placer, Nairo. Et accélération de Thibaut Pinot qui va aller chercher le premier homme. Démarrage de l'Italien Domenico Pozzovivo. Il vient de claquer le gel, Thibaut Pinot qui vient d'accélérer. Thibaut Pinot, il envoie. Où est-ce qu'il est ce coureur? Et accélération de Thibaut Pinot. Il essaie. S'il va aller chercher. Ça peut aller au bout. S'il va aller chercher son étape. Et derrière, dans les accélérations de Nairo Quintana. Attaque de Quintana. Le groupe qui est juste là, ce sera pour le Sud-Africain qui va peut-être être le plus malin aujourd'hui. En tout cas, derrière, avec Thibaut Pinot, il s'arrache pour relever la tête dans cette dernière ligne droite, dernier kilomètre. Pourquoi pas pour une deuxième place de Thibaut Pinot, qui a l'air bien parti. Derrière aussi, on a Nairo Quintana. Est-ce qu'Alberto est sorti? Cette victoire est amplement méritée. Ouais, bateau, il a juste... terminé au courage. Je ne vois pas de Alberto. Non, mais il est devant en fait, Alberto. D'accord, il vient d'arriver. Ouh, il va peut-être avoir un petit changement. Sur le podium, d'accord, j'avais pas vu partir Alberto, c'est pour ça pourquoi le peloton ne roule pas. C'est parce que Alberto était parti. D'accord. Et bon, on va attendre le retardateur qui en termine. Et on va de suite se pencher sur le classement. Et voici maintenant la sélection des meilleurs moments de la course. Il est parti tout seul, c'est lui qui a lancé les hostilités. Il a bien géré son échappée. Thibaut Pinot qui a pu finir deuxième de l'étape. Et ouais, du coup, Richie Porte est resté dans le groupe. Et regardez, à une seconde près, il nous a volé. Il nous a volé la deuxième place, mais c'est pas grave. Nairo Quintana qui finit quand même troisième, c'est pas mal. Pas de changement au maillot vert. Au maillot à poids, pas de changement. À deux points. Il a eu chaud. Quintana, toujours en blanc, et la Movistar. Tiens. Donc
On va voir comment on a un petit peu gagné de sous alors qu'il y a une dernière étape ici. Je la ferai peut-être plus tard. Alors, on va regarder les stages. Où Pierre Roland est parti là. Pierre Roland, on va regarder, il est là. Notre petit Pierre Roland qui est en train de s'entraîner à bloc. Hein. Il s'entraîne à bloc, Pierre. Pour préparer le Giro. Le Tour d'Italie. Un grand tour très attendu, juste là. Il est là, ce grand tour d'Italie, avec deux grosses étapes. Hein. Alors, regardez, la première sera sur un contre-la-montre. Lui, il aime pas ça, Pierre, il aime pas ça, c'est contre-la-montre, mais bon, il va falloir faire avec, il va falloir travailler. Là, voilà, la cinquième étape, les hostilités commenceront là avec les leaders, peut-être, la cinquième étape. La sixième, un petit peu quand même sur la fin. La septième, sans problème. La huitième, en fin de semaine, en fin de première semaine. La huitième qui peut rester lourd dans les jambes. La neuvième, enchaînement. La dixième, ça va, ça ira un petit peu mieux quand même. La onzième, attention à cette descente. La douzième, un contre-la-montre de moyenne montagne. La treizième, sans problème. La quatorzième, ça va monter très haut. La quinzième, très grosse montée sur la fin. La sixième aussi. La 18e et la 19e et la 20e et enfin la 21e. Donc bon, un gros tour à faire. Écoutez, je vais vous dire merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tour. Salut !